Rebonjour et bienvenue à bord de ce numéro de thierryweber.com déguisé en culture pod. Alors pour ceux qui suivent les aventures de... Voilà, je m'assure d'utiliser un micro différent et qui tient bien. Pour ceux, je disais, qui me suivent sur Quick pour ma startup Adventure, désolé si je pollue ce stream, bah c'est vrai que j'avais dédié en fait Quick à l'utilisation de cette version live de vidéo, de live streaming, pour raconter mon aventure de start-upper. Donc vous allez pendant 2 jours manger du live stream, du real-time web, puisque effectivement je suis présent ici à Paris pour le web 09. Voilà. Je viens de voir Michael Harrington qui vient d'animer un panel qui se termine maintenant 12h53. Donc l'heure d'aller manger, mais surtout bien l'heure pour moi de faire une petite promo. Alors si je vous montre ici, si on m'arrache pas les câbles, voilà, on voit ici bien effectivement la solution WeTalkU. Je pense que je prononce pas ça très bien. Une solution qui permet de faire du duplex pour des interviews. J'attends mon collègue Nicolas Pitet qui est en Suisse pour pouvoir eh bien m'interviewer. On va parler ensemble de ce premier, je dirais, compte rendu de cette première demi-journée écoulée. On va donc tester cette plateforme qui permet donc de se filmer tout en faisant à 2 endroits différents pour faire un duplex, comme à la télé, voilà. On est pile poil dans le real time. Alors je vais retourner mon téléphone parce qu'en fait, ça va me permettre de voir si vous êtes en train d'interagir. Parce que j'ai opté pour un autre micro, comme vous pouvez le voir. Bon, en même temps, il y a beaucoup de bruit autour de nous. J'avais un petit micro que je ne vais pas montrer ici, qui était plus directionnel. Ça, c'est un petit micro à fil que je peux tenir et qui devrait donc, je pense, m'assurer, vous assurer une meilleure écoute de ce que je raconte, puisqu'il y a beaucoup de bruit ici. Bosser avec l'iPhone tout nu, je pense que c'est juste impossible. Je vais le tourner pour voir si vous interagissez sur la partie stream. Voilà, ben je vois que Frédéric, merci Frédéric, tu vois, alors j'utilise mon laptop pour me filmer et donc tu peux me voir. Donc Frédéric qui me dit que c'est beaucoup mieux pour ce qui est la qualité du son, mais qu'effectivement pour ce qui est de ma qualité, de l'abondance de cheveux, ben effectivement ça n'a pas changé. Un peu mon gaillard, me dit-il, ouais. Donc on va arrêter là ce live, mais vous êtes quand même 4. Bon, alors j'aimerais bien qu'il n'y ait pas que Frédéric qui cause, pour pouvoir par exemple me dire ce dont vous avez envie de voir, d'entendre. J'ai vu qu'il y avait pour certains des intervenants qu'on a ici des interviews organisées, mais c'est pas, ça fait un peu quand même un peu à l'arrache. Donc c'est pas toujours évident comme ça de choper les gens qui montent sur scène pour pouvoir les choper, les faire parler. Donc on va se contenter d'aller choper des participants, peut-être quelques orateurs qui veulent bien parler dans le micro et vous ramener tout ça. Enfin, je fais quand même des images avec une vraie caméra, mais on va privilégier le live stream pour faire quelque chose quasiment en direct. Allez, j'ai assez parlé, on va se dire à tout bientôt, je pense avant 13h, on va pouvoir attaquer le live duplex. Pendant ce temps, je vous fais participer avec la musique de merde qu'il y a. Alors je sais pas, je pense que vous m'entendez plus du tout, parce que voilà, la sono à coin avec une musique vraiment pas terrible. Merci Fred pour tes feedbacks, et effectivement, comme il me le demande là en ligne, je vais tenter de vous annoncer à l'avance quand est-ce que je suis live pour que vous puissiez vous raccorder. Mais en même temps, là vous êtes 4, donc vous allez aussi vous débrouiller pour me suivre. Allez, à bientôt si pas avant. On va essayer de se connecter donc sur witoku.com, je vais voir si je peux le tweeter, le lien, pour faire une interview live, un duplex depuis la Suisse. Allez, à bientôt, c'est pas avant. Bon.